C'était un formidable moment, je dirais, avec beaucoup d'instants festifs, beaucoup de convivialité, beaucoup de surprises aussi, avec une nuit assez variée entre les différentes brasseries. Et puis j'ai envie de dire, on a hâte d'y retourner. Mon meilleur souvenir, c'est peut-être à la brasserie au Baron à Gucigny, où on est arrivé dans la nuit, qui est près d'un cours d'eau en fait. Et on s'est régalé d'un bon petit plat dont certains avaient besoin après avoir dégusté quelques bières. Et puis on a découvert une sympathique brasserie familiale. Et du coup, ça c'était vraiment chouette. C'est peut-être à la brasserie à Jeanlin, de la bière Jeanlin, où du coup il y avait le groupe Les Azous qui finissait en beauté la nuit de la bière. Et c'est vrai que j'ai réalisé une petite performance artistique où j'ai déployé mes talents de danseur de flamenco et qui ont été plutôt appréciés. Très improbable. Ouais. Moi, ouais, c'était un petit peu comme ça, dans le feu de l'action. Carrément. Alors, avec tous ces souvenirs, tu conseilles de participer en 2019? Bah ouais, carrément, c'était vraiment un très bon moment, assez varié. Il y en a pour tous les goûts en plus, ceux qui veulent faire la fête, ceux qui veulent déguster des bières. C'est pas du tout monotone, on découvre plein d'endroits différents avec plein de styles de bières différents. Et puis en plus, j'ai entendu dire que cette année, c'est à Strasbourg, Lille et Bordeaux. Donc que de plaisir, j'ai envie de te dire. Merci petit Gus. Ben, de rien.